Exactement. Excellence Magazine. Amis téléspectateurs, bienvenue dans Excellence Magazine, votre magazine qui vise de l'excellence. Et pour ce nouveau numéro, je ne suis pas seule, comme toujours d'ailleurs, j'ai avec moi un nouvel invité. Il s'agit du membre du parti Autre Vision du Congo, AVC, parti cher au vice-ministre de l'EPST, Didier Bidimbo, à qui j'ai dit bonjour monsieur Andy Bemba. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va, merci. Alors, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de vous en très peu de mots? Andy Bemba est d'abord cadre du parti politique Autre Vision du Congo. Andy Bemba est aussi philanthrope, premier vice-président de l'association Lisanga Bana Congo, ex-Libangé, Lisanga Bana Grand Équateur. Andy Bemba est aussi un acteur politique engagé depuis quelques mois. Bienvenue dans Excellence Magazine. Merci beaucoup. Alors, on assiste depuis le début de ces mois de juin à plusieurs faits qui alimentent l'actualité en République démocratique du Congo, notamment ces bras de fer entre l'Assemblée nationale et les conseils d'État à la suite de la requête du premier vice-président de l'Assemblée nationale déchu, Jean-Marc Kaboun. Alors, j'aimerais savoir déjà quelle est votre lecture depuis la déchéance de Jean-Marc Kaboun jusqu'à la tentative de l'élection ratée du remplaçant de ces derniers. Ben, je pense que l'État, l'Assemblée nationale est en train de faillir parce que ce n'est vraiment pas ça le rôle du député national. C'est, mon constat est en fait amer par rapport à tout ce qui se passe, mais il faudrait qu'on revienne dans les bases. Quel est le rôle principal d'un député national? Parce que le premier rôle du député national, c'est celui de contrôler l'exécutif. Et vous allez constater, depuis l'Assemblée nationale, depuis janvier 2019, depuis qu'ils ont été installés, vous allez constater qu'il n'y a aucune réforme depuis là. Et il n'y a aucune loi votée et qui va dans l'intérêt de la population. Aucune. Ils sont payés, ça fait maintenant pratiquement une année et demie qu'ils sont payés, mais est-ce que vraiment ils sont en train de défendre l'intérêt de la population? Je ne pense pas. Ils sont en train de faillir à leur mandat. Voilà. Alors, toujours à l'Assemblée nationale, vous avez certainement appris qu'ils auraient demandé un ajout de 2 000 $ par rapport à leurs émoluments. Pensez-vous que cela est nécessaire en ce net moment? Non, nous sommes en train de passer déjà une crise du coronavirus, une crise qui nous demande beaucoup de solidarité, d'abord entre peuples et entre dirigeants aussi. Je ne pense pas que cela soit nécessaire pour l'instant d'augmenter les salaires des députés. Et comme je disais là au début, ils sont déjà en train de faillir à leur rôle. Parce que le premier rôle du député national, c'est celui de contrôler l'exécutif. Je n'ai pas vu une seule pétition qui puisse convoquer un ministre à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont payés pourquoi? Et pourquoi on devrait... Mais ils ont interpellé plusieurs ministres de la Défense, par exemple. Oui, mais quelles sont les retombées? Qu'est-ce que le peuple est en train de bénéficier de l'intérieur aussi de tout ça?
Le peuple ne bénéficie de rien. Ça va faire une année et demie qu'ils sont en train, on est en train d'aller de crise en crise, des polémiques inutiles, des futilités, en pleine Assemblée nationale. Et c'est ce qui est triste. Le peuple a besoin aujourd'hui d'un changement. Le peuple a besoin de manger. Le peuple a besoin qu'on ait des réformes sur les projets d'agriculture, sur les projets d'éducation. Mais jusque-là, rien n'est fait. Ils sont en train de passer du temps et ils sont en train de freiner aussi tous les projets du nouveau chef de l'État. Mais si on devait faire un parallélisme, vous avez aussi appris que le professeur de l'Université de Kinshasa ont demandé qu'on puisse augmenter leur salaire à 5 000 $. Ils ont demandé en même temps qu'on puisse publier les listings de paye de la présidence primature, du gouvernement, tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec leurs revendications? Je suis tout à fait d'accord avec, mais il faudrait bien faire les choses. Pour vous, ça devrait se passer comment? Pour l'instant, ce sont des professeurs. Ce sont des professeurs, ils sont censés être bien payés par l'État. Parce que les personnes qui viennent transmettre de l'information, transmettre leurs connaissances, ils ont besoin d'une certaine stabilité, une certaine stabilité de vie. Ça, ce n'est pas mauvais, mais il faudrait qu'on recadre les choses, qu'on fasse les choses proprement. Parce que nous sommes en pleine crise du coronavirus. Pour recadrer les choses, pour que les choses se fassent bien, qu'est-ce que vous proposerez? Je proposerai qu'on ait d'abord une négociation, une réconciliation nationale entre dirigeants, je vois ceux qui sont au pouvoir et ceux de l'opposition, entre parlementaires et entre professeurs État et entre entrepreneurs et l'État aussi. Et après, ce qui fera en sorte qu'on puisse augmenter le salaire de tout le monde? Non, vous savez, quand on dirige, on y va d'abord pour servir. On est député, on est ministre, on est président, on y va pour servir. On n'est pas chef de son entreprise. Quand on est politicien, on sert la population et on sert les agents de l'État, par exemple. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'abord organisé une réconciliation nationale avec tout le monde, entre chefs coutumiers et État, entre population et État. Et ensuite, on pourrait maintenant trouver des solutions par palier, parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, le nouveau chef de l'État est là, ça va faire pratiquement une année et demie, il ne peut pas tout faire à la fois. Vous voyez? Alors, il faudrait qu'on aille mollo, on est encore une jeune démocratie, il ne faudrait pas brusquer les choses. Et même ces professeurs-là, ils ont raison de demander cette augmentation-là. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a les agents de l'État qui sont aussi mal payés. Les fonctionnaires de l'État, ils sont aussi mal payés. Mais il ne faudrait pas qu'on voie seulement le côté professeur. Mais si, il faudrait imaginer après le professeur, ce sont les fonctionnaires de l'État qui revendiquent et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela engendrerait? Non, exactement, ça engendrerait une crise parce que d'abord, il faudrait d'abord qu'on installe une vraie politique sur combattre les inégalités salariales, combattre les inégalités sociales et qu'on arrive à créer une crise salariale qui pourrait stabiliser tous les agents de l'État, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit ceux qui travaillent aussi dans le privé, pour que tout le monde, en fait, ait un moyen de vivre, que chacun vive de son métier dignement, sans pourtant... Ça ne prendra pas assez de temps? Non, mais pas du tout. Vous savez, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, n'importe quelle grande démocratie dans le monde, ils ont commencé quelque part. On ne peut pas oui, le faire... Oui, mais si c'est seulement pour ces mandats, donc il faut compter aujourd'hui, peut-être ça fait une année et demie, que l'actuel pouvoir est en fonction. Alors s'il faudrait entreprendre cette démarche, ça prendra combien? 6 mois, tout ça? Non, dire 6 mois, non. Vous savez... il y a déjà eu beaucoup de crises avec les pouvoirs passés. On a passé pratiquement 32 ans. Depuis l'indépendance, ça va faire 60 ans qu'on est en train de vivre, d'aller de crise en crise. Et on a eu une très longue guerre.
Et après le président Joseph Kabila, aujourd'hui on a un nouveau président qui est là à peine une année et demie, et on ne va pas reconstruire ce qu'on a détruit en 60 ans. Non, juste en 6 mois, je ne pense pas. Il faudrait qu'on ait du temps, mais il faudrait commencer aussi quelque part. Vous avez dit tantôt qu'il y avait crise et qu'il n'était pas nécessaire d'augmenter les salaires pour les élus nationaux, alors que le rapporteur de la Chambre basse du Parlement a dit que cette correspondance daterait de la session de septembre, donc c'était avant cette crise sanitaire qui sévit en République démocratique du Congo et dans le monde. S'il y a eu une question qui allait dans ce sens-là, ça peut attendre. C'est pas pressé donc. C'est pas pressé. Aujourd'hui, il y a une urgence. Il y a le coronavirus. On est en train de perdre les compatriotes. Et je pense qu'il faudrait d'abord régler ces urgences-là avant de régler ces questions de salaire. C'est quelque chose. C'est un projet à moyen et à long terme. Très bien. L'actualité, c'est aussi les procès de Vital Kamerhe et consorts dans les détournements de fonds alloués à la construction des maisons préfabriquées dans le programme de 100 jours du chef de l'État. Mais ma question serait de savoir que répondrez-vous à ces gens qui pensent que ces procès seraient plutôt politiques que judiciaires? Non, le procès n'est pas du tout politique. Il y a eu une mégestion dans ce programme de 100 jours et le coordonnateur doit répondre devant la justice. Et le coordonnateur, c'est qui? C'est le directeur de cabinet du président de la République. Et je ne vois, il est toujours innocent et laissant, attendant la justice donner son verdict. Mais qu'est-ce que vous aurez appris de ces procès? Le procès tel qu'il est, tout ce que moi je condamne avec dans ce programme de 100 jours, c'est d'abord le fait de donner, d'octroyer ces grands marchés de plusieurs millions aux étrangers. Ça pourrait revenir aux Congolais, on a... Ça pouvait revenir aux Congolais, il y a des entrepreneurs. Et pourquoi construire des maisons préfabriquées par exemple? Il y a du sable ici, il y a des barres de fer, il y a des caillasses. On pouvait fabriquer des maisons dures, comme les colons l'ont fait avec le camp de Matete, Lemba, Bandal. Admettons, réfléchissons un peu, si jamais on condamnait le directeur de cabinet du chef de l'État, qu'adviendra-t-il au sein de la coalition CASH? Vous êtes allié de l'IDPS, d'office vous faites coalition avec l'INC, donc dans les CASH. Qu'est-ce qui viendra si aujourd'hui le directeur du cabinet du chef de l'État est condamné? S'il est condamné, c'est une coalition, la coalition continue. Le directeur de cabinet, s'il a failli dans ses missions, il répondra devant la justice. S'il est condamné, il fera la prison. Mais la coalition continue. Vous ne pensez pas que ça va créer instabilité au sein de la coalition? Je ne pense pas. La population est assez mature. Les acteurs politiques sont aussi assez matures. Et on doit d'abord voir l'intérêt de la population, continuer à servir cette population-là qu'on a toujours défendue. Et c'est ce qui est plus important. Il ne faudrait pas ramener l'État à un seul individu. Monsieur Vital Kamerhe n'engage pas la République démocratique du Congo. S'il a failli à ses missions, il répondra, il répond. Il est là, déjà devant la justice. Et s'il est, est fautif, il fera la prison. Et puis, sa vie politique, il va peut-être continuer aussi après la prison. Voilà, il y a quelques jours, le chef de l'État a signé une ordonnance portant nomination de mandataires d'entreprises publiques. Mais dans la population, on sent le doute, la crainte ou parfois la méfiance en disant que ce sont les mêmes personnes qui reviennent dans les stars de Lambert Mende, José Makila. Comment avez-vous perçu ça? Vous savez, ils sont cadres de leur plateforme. Et comme j'ai toujours dit, les jeunes aujourd'hui ne veulent pas s'engager, les jeunes aujourd'hui ne s'assument pas. Il y a plusieurs personnes compétentes qui ne veulent pas faire de la politique. Bon, mais est-ce que tout le monde doit faire de la politique pour se retrouver au sein des entreprises publiques? Non, pas du tout. Voilà pourquoi j'étais en train aussi de parler d'une vraie politique dans le sens où nos acteurs politiques doivent
aider nos entrepreneurs à créer du travail, à donner de la valeur aux citoyens. Mais néanmoins, il y a toujours des jeunes compétents qui peuvent faire la politique. Lumumba, vous savez que M. Lumumba n'était pas dans la politique. Il travaillait à la Bracongo. Mais quand il a vu que rien n'allait au pays, quand il fallait défendre les intérêts de la population, il s'est engagé. Il n'y a rien de mal à s'engager en politique. On ne va pas en politique pour chercher du travail. On va en politique pour servir la nation. Mais vous ne pensez pas que l'intérêt politique a primé sur les compétences, par exemple? Les compétences, je pense que ces cadres-là sont aussi compétents. Mais sauf que le peuple congolais est fatigué de voir les mêmes visages. Mais on ne s'arrête pas derrière les claviers, on ne s'arrête pas à critiquer. Il faut s'engager. Si nous voulons voir des nouveaux visages, engageons-nous dans la politique. Mais maintenant, là, c'est trop tard, non? Non, pour l'instant, ils ont été nommés parce qu'ils sont cadres de leur plateforme politique. Ils sont là et il faudrait pas que le président de la République puisse créer une certaine crise institutionnelle entre plateformes politiques. Et ils sont là, ils vont travailler, mais nos populations devons être rigoureux et exigeants envers... ces cadres politiques-là. Mais quelle serait votre suggestion par rapport à d'autres entreprises publiques que certainement on va signer des ordonnances très prochainement. Quelle serait votre suggestion? Ben, vous savez, il n'y a vraiment pas de problème d'individu. Moi, j'aimerais voir des personnes serviables, des personnes... amoureux de ce pays, des vrais patriotes, être là, être nommés pour servir ce pays. Que ce soit ceux qui ont travaillé avec M. Kabila, que ce soit aussi avec les nouveaux dirigeants, mais j'aimerais aussi qu'ils soient impliqués vraiment pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de la population. À l'entame de votre intervention, vous avez dit qu'on était en pleine crise sanitaire due à la Covid-19. Est-ce que cette situation est-elle bien gérée ici en République démocratique du Congo? Et je ne pense pas qu'elle soit bien gérée parce qu'il y a beaucoup de malaise, il y a un problème de communication. Le secrétariat qui s'en occupe ne communique pas. Et là, on ne sait pas. C'est à la télévision qu'on est informé. On nous parle de 3 000 cas, on nous parle de 4 000 cas. Sans pourtant informer même la population qui vit dans les milieux reculés, et la plupart d'ailleurs sont en train de penser que le COVID, la COVID n'existe pas. Alors, il y a une structure d'ailleurs qui a fait un sondage pour dire qu'à peu près 68% des Kinois, en particulier puisqu'on est à Kinshasa, qui ne croient pas vraiment à cette pandémie ici en RDC. Qu'est-ce que vous diriez? C'est tout à fait normal. Moi, quand je dis qu'il y a un problème de communication, quels sont les canaux qu'ils sont en train d'utiliser pour communiquer? Ils utilisent la télévision. Est-ce que tout le monde a un poste téléviseur chez lui? Non. Il y a ces personnes qui ne reçoivent des informations que de bouche à l'oreille. Il y a des personnes qui reçoivent des informations par la radio. Ils n'ont pas de télévision. Mais vous voyez que je suis en train de voir des panneaux. Nous avons déjà une population qui soit pratiquement 70% qui ne soit pas allée à l'école. Et vous utilisez des canaux qui ne sont pas adaptés aux réalités du pays. Beaucoup de personnes ne savent pas lire. Et quand vous communiquez avec des panneaux, personne ne les lit. Vous communiquez par la télévision. Ce n'est pas tout le monde qui a un poste téléviseur. Vous voyez. Mais l'alternative serait quoi? L'alternative serait d'impliquer en fait la population dans la gestion de la crise. Vous voyez de quelle manière de faire participer les bourgmestres, parce que les bourgmestres maîtrisent mieux leur commune, maîtrisent les quartiers. On peut sensibiliser les leaders d'opinion des quartiers, des communes, pour faire le porte-à-porte, pour sensibiliser, comme on l'a toujours fait avec le vaccin de... ça s'appelle quoi encore? Poliomyélite, c'est ça?
on voyait qu'on était enfant. Il y avait des mamans avec un mégaphone, faire de porte à porte, ou soit sur les avenues, lobby, Togo vacciné, bana. Et c'était comme ça pendant 2 jours, 3 jours. Et le troisième jour, tout le monde était à la maison. Et c'est, je pense que c'est le seul moyen pour communiquer. C'est vrai que le gouvernement a une tâche dans tout ça, mais la population de son côté qui n'y croit pas, qu'est-ce que vous diriez? Ils ont aussi quelque chose à faire. Parce que la population ne se sent pas impliquée dans la gestion de cette crise. Aujourd'hui, si on implique la population dans la gestion de la chose publique, vous verrez qu'il y aura moins de crises. Très bien. Je voudrais revenir tout au début. On a parlé de à peu près une année et demie que le président actuel est au pouvoir. Sinon, vous savez que vous êtes allié de l'IDPS. Je pense pas que vous ferez simplement plaisir de dire que tout va bien. J'aimerais que vous puissiez faire un petit bilan. À une année et demie, est-ce que les choses évoluent bien, mieux qu'avant, ou on est en train de tâtonner jusqu'ici? Vous savez, ça va faire près de 60 ans qu'on est indépendant. Vous allez vous rendre compte qu'on est en train d'aller de mal en pire. De quelle manière? Vous allez constater que avec les colons, ils n'ont eu que 52 ans au Congo. C'est un pays qu'ils ont trouvé, c'était pratiquement une forêt, c'était des villages. Ils ont construit toutes les infrastructures qu'on a aujourd'hui. Ce sont les Belges, les grands bâtiments qu'on a aujourd'hui, ce sont les Belges. Et ça fait 60 ans qu'on est là. On a quand même eu des cadres, des aînés, des parents instruits, mais qui ont failli. Aujourd'hui, toutes les compagnies minières sont par terre. Toutes les compagnies, toutes les entreprises de l'État sont par terre. Et aujourd'hui, le nouveau président ne fera pas remonter toutes ces entreprises-là en une année et demie. La première des choses déjà qu'il est en train de combattre, c'est la corruption. Et c'est ce qui est plus important d'abord pour le développement d'un pays. Parce que vous savez, quand il y a assez de corruption, on ne sait pas développer un pays. Et comme il a toujours parlé de l'instauration, l'UDPS a toujours combattu contre la corruption et ils ont toujours prôné l'instauration de l'état de droit. Et c'est d'abord son premier rôle de le faire, de combattre la corruption et d'instaurer l'état de droit. Et ensuite, on pourra maintenant... Mais au-delà de ça, quels sont ces domaines, selon vous, qui semblent aller? La justice. Simplement la justice, parce que vous parlez de combattre la corruption. Exactement. Ça, c'est son premier projet de combattre la corruption. Et vraiment, il y a aussi autre chose. Il y a l'impunité qui a toujours fait surface sur la scène, sur l'espace politique. Et aujourd'hui, c'est la première fois d'ailleurs, depuis que moi je n'ai jamais vu ça, un directeur de cabinet du président de la République devant la justice, c'est déjà un bon pas. Je suis en train de voir, il y a plusieurs acteurs politiques aussi qui sont aussi en prison. C'est déjà quelque chose de bien qu'il faudrait applaudir. Voilà, nous sommes déjà en train de chiter, mais je voudrais beaucoup plus revenir sur la Covid-19. C'est vrai que cette maladie qu'on n'envisageait pas, en tout cas, s'y arriver. Et ça a démontré certaines faiblesses dans notre pays, du point de vue gestion, tout ça. Mais qu'est-ce que vous aimeriez après la Covid-19 qu'on puisse s'y atteler pour améliorer? Et c'est quel domaine? Je dirais, après la Covid-19, j'aimerais qu'on repense en fait la République, qu'on repense notre manière de faire les choses. Vous savez, on a vraiment passé du temps, on a perdu du temps, ça va faire 60 ans que la population est en train de souffrir. Nous ne sommes pas solidaires, nous sommes dans le leadership individuel. Et moi, je dirais, après cette crise de corona, il faudrait qu'on arrive en fait à créer une société autonome, qu'on ne dépende plus des étrangers, qu'on ne dépende plus des dons. Mais ça continue toujours en tout cas, des dons pour soutenir la gratuité, tout ça.
Oui, les dons, en fait, ce n'est pas mauvais qu'on nous aide, mais il faudrait d'abord qu'on investisse localement, qu'on investisse Qu'on sur soit les souverain, entreprises. c'est ça. Exactement. Et surtout économiquement, parce qu'on a l'indépendance, oui, mais on n'est pas indépendant économiquement. Vous allez comprendre qu'il y a un sérieux problème. On ne produit pas, on ne produit rien ici. Même les boîtes Même de Thomas, les poissons. le poisson, on a le plus grand, la plus grande, le plus grand fleuve, le deuxième fleuve en Afrique. On a la plus grande, je pense que c'est la deuxième plus grande rivière en Afrique centrale, mais vous allez comprendre qu'on est toujours en train d'importer les poissons, on est en train d'importer les conserves, on est en train d'importer les boîtes de tomates. Il y a un problème sérieux. Il faudrait maintenant qu'on ait une politique qui pourrait aider et financer nos entrepreneurs ici pour produire localement. Il y a des agriculteurs, il faudrait les financer avec les microcrédits, avec. Juste une question de curiosité, vous êtes frère et membre de famille Bemba, de vice-président de l'ancien vice-président de la RDC, président du mouvement de libération du Congo, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que, ou parfois, que vous soyez opposé à lui politiquement. Vous êtes de l'UDPS, du CASH, lui de la Mouka. Pourquoi ne pas être avec lui pour les soutenir, tout ça? Non, vous savez, depuis toujours, je pense que il y a la politique de notre pays a failli parce qu'on a eu à installer une politique de division, une politique où quand on n'est pas on n'accède pas à un poste de responsabilité, il faut attaquer le pouvoir en place. Il faut, on souhaite le fiasco. Quand on souhaite le fiasco de ceux qui sont au pouvoir, ce ne sont pas eux qui perdent, c'est la population qui perd. Nous passons beaucoup de temps dans les futilités, nous passons beaucoup de temps dans les attaques personnelles, nous passons beaucoup de temps dans les polémiques au lieu de faire avancer le pays. Moi, je pense, c'est vrai qu'il devrait avoir des divergences, comme dans toute société, comme dans toutes les grandes démocraties d'ailleurs, mais quand il faut Comme dans travailler, toutes les familles, surtout. Comme dans toutes les familles aussi, il y Puisqu'on a des parlait de votre problèmes. famille. On parlait de notre famille, ça arrive partout. Aucune famille ne le dira, aucun citoyen congolais aujourd'hui ne dira que c'est parfait dans leur famille. Vous savez, aujourd'hui, mon frère aîné est l'un des leaders de la plateforme Lamouka, mais moi j'ai ma vision. Ma vision essaie de reposer, de faire reposer la RDC sur la solidarité. Vous voyez, on a besoin d'être solidaires entre nous. C'est vrai qu'il y a des divergences, mais quand il faut travailler pour la République, on le fait ensemble. Et C'est vos vrai. conflits familiaux, c'est bon, ça, il y en a plus? Les conflits familiaux, comme je disais, dans toutes les familles, il y a des problèmes. C'est vrai qu'il y a des frères qui peuvent être mécontents de certaines positions, peut-être des autres frères. Mais en tout cas, on est frères, on a été très bien éduqués. L'ambiance est très bonne, on est en bonne relation. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine. Vous avez quelques minutes ou quelques secondes pour passer votre message seulement en une de langue nationale. Une des langues nationales. Ce que je dirais, j'aimerais que bas jeunes bas se mettre ensemble, que bas jeunes bas pouvoir. Prenez en fait solidarité nakati na biso parce que tolekisi temps est bêlé nakati ba polémique tolekisi temps est bêlé na ba réseaux sociaux ko finga ko linga déstabilisation ko déstabiliser le pouvoir ko déstabiliser ba individu et pourtant toza vraiment na ba compétence ya ko bongisa mboka ko tombola ba entrepreneur ba maraîcher na biso baza na besoin pe ya ba soutien na biso. Essayons de se mettre ensemble surtout pour le développement de ces pays. En tout cas, tout le temps mingi
Tokoki ko continuer toujours te na ko attaquer ba individu lelo lobikuna to bengana ki président Mobutu président Akende Akei président Kabila Akei to bengani Akei lelo président Félix Akomi sous président to lingi sous départ naye Akende. Mais qu'est-ce que nous faisons vraiment pour changer les choses? Bien ko continuer toujours te na ko kende ko qu'on attaque un individu. Il faut vraiment to kata ba komba wana ya ko attaque un individu, ya ko bengala un individu, alors que le système est là. Les lots présents, tu sais qu'il y a ko kende, a keipe, mais le système, ils ont continué. Et moi, je pense qu'il faudrait faire un travail avec la base, sensibiliser la population, et puis surtout, qu'on la qui sa vraiment que na ba méfait y a corruption na na nakat sa population, qu'on la qui sa ba méfait y a impunité, qu'on la qui sa ba méfait y a pauvreté nakat y a société. Il faut tout créer une société équitable, une société na ba égalité sociale, ba égalité salariale pour mutunyo so azala malamu. Nanda kuna emutunyo so azala din azala na métier na azosala et on to bozala susute na batunyo so bazokende ko sala politique pour na ko s'enrichir. Il faut que politicien lobby akoma moto azaloko la pasteur parce que politique eza apostola so za loko la sango za médecin ozokende pour na ko servir. Il faudrait na 2023 na élection eza koya tozala na ba jeune tozala na ba politicien oyo ba ke ko servir population et non se servir au baquet pour la course enrichir pour basson ma mama pangu pour basson baba voiture mais et ça pour tient au baquet pour la cour défendre faut défendre intérêt à population. Alors moi je demanderai à la jeunesse et à la batata ba maman ba jeune bilingue en tout cas tous se mettre ensemble pour notre développement dans le cannabis. Voilà, merci beaucoup monsieur Andy Bimba d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons vous retrouver très prochainement. C'est moi qui vous remercie. Avec immense plaisir. Amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de votre magazine Des Demain Excellence. J'ai eu le plaisir de recevoir sur ces plateaux Andy Bimba, cadre du parti politique Autre Vision du Congo, AVC, parti cher au vice-ministre de l'EPST, Didier Bidimbou. Alors, que dire, respecter scrupuleusement les mesures, les gestes barrières pour sauver des vies, car la COVID-19 est réelle en République démocratique du Congo. Au revoir et à la prochaine.